before I find you. Salut les amis, bienvenue sur Axomadara TV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Apex Legends et donc la saison 4 et la future saison 5 qui devrait arriver. Comme j'ai pu vous le dire à maintes reprises dans les vidéos précédentes, il était prévu aujourd'hui que l'on ait un petit teasing, alors je dis bien, je précise bien un petit teasing parce qu'il va y avoir plusieurs phases sur les jours à venir et qui devraient s'articuler tout autour de l'introduction de l'OBA et de l'arrivée de la saison 5 dans le jeu. J'ai donc passé la soirée à rafraîchir Twitter, à regarder des lives, regarder tous les youtubeurs américains qui étaient en train de faire des recherches. Et bien évidemment, comme il avait été mentionné par Shrugtal, normalement ce début de teasing devrait se passer sur World's Edge. Et contre toute attente, c'est justement aucun d'eux qui a trouvé ce teasing. C'est un utilisateur qui s'appelle Eruzen and Enma, en référence à Naruto si vous connaissez le manga, qui a trouvé ça, qui a posté ça sur Reddit. En fait, tout simplement, il faut aller au dôme, sur World's Edge, tout au sud de la map, rentrer dans les espèces de bâtiments, et en fait, posé sur un bureau, on y trouve une sorte de smartphone avec le logo de la division RF, qui nous vient de Titanfall, qui est posé donc sur ce bureau, et quand on s'en approche, il y a une action contextuelle qui nous fait prendre cette sorte de smartphone dans la main, et on voit donc s'afficher cette première image, cette première partie d'image qu'on avait vue, qui avait été dataminée, où on voit la fameuse entrée du laboratoire du Dr. Sings sur King's Canyon. Donc voilà, on a le début de l'enquête, le début du teasing, c'est vraiment un tout petit teaser, mais tous vont se coller, tout ce qui va sortir dans les jours à venir, et on va avoir du coup l'arrivée de l'OBA, les nouveautés qui vont s'installer dans le jeu, que va-t-il se passer, où auront lieu les jeux Apex pour la saison 5. Alors d'ailleurs, je tiens à vous préciser de faire attention, parce que sur le site d'Exerto, il y avait une news aujourd'hui qui disait qu'il y allait avoir une nouvelle map pour la saison 5. Alors oui et non, normalement, d'après ce qui a été dataminé par Shrugtal, on va pas avoir une nouvelle map, mais plutôt une nouvelle version de King's Canyon avec de nouveaux éléments, peut-être une nouvelle zone avec le laboratoire en souterrain, on sait pas encore, mais tout ça, on devrait le savoir et le découvrir dans les jours à venir. Ensuite, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous rappeler ce qu'était la division Ares. Alors si vous avez joué à Titanfall, vous le savez déjà, mais si vous n'avez jamais joué ou touché la licence Titanfall, forcément vous ne savez pas ce que c'est. Alors la division Ares, c'est une division de recherche archéologique qui est une branche armée de recherche et de développement de l'IMC, la fameuse faction ennemie dans Titanfall. Ils sont donc chargés de découvrir, de rechercher et d'exploiter les technologies indigènes au travers de la frontière. Alors cette division, elle a été fondée par le grand général Marder et qui avait donc l'intention dans Titanfall de gagner la guerre des frontières pour le compte de l'IMC avec ses moyens peu orthodoxes. D'ailleurs dans l'histoire, une des opérations majeures de la division Ares a été sur la planète Typhon, qui est la planète de naissance de Vrace. Donc on recolle un petit peu avec tout le lore d'Apex Legends, c'est vraiment pas mal. Du coup, Marder et ses scientifiques avaient découvert et remis à neuf une fameuse arme, la Folded Weapon. Alors je sais plus trop bien l'histoire de Titanfall, mais bon, si jamais vous voulez connaître tout ça, n'hésitez pas à faire Titanfall 2. Il y a une histoire de fou qui est en relation avec Apex Legends qui vous donnera plein d'indices. On sait donc que le général Marder était aux côtés des Apex Predators de Kublen Blisk au moment de cette opération sur la planète Typhon, donc on sait que la division Ares était mêlée aux Apex Predators. D'ailleurs, plusieurs fois, Kublen Blisk est revenu, enfin on en a entendu parler dans le lore d'Apex Legends, il est même pressenti pour devenir une des futures légendes. Et d'ailleurs, un développeur de chez Respawn avait dit, vous verrez, pour le futur d'Apex Legends, les fans de Titanfall vont être servis. Donc il y a de grandes chances que Kublen Blisk arrive et qu'on ait plein de petits rapports avec l'histoire de Titanfall qui arrive de plus en plus dans Apex. Du coup, dans Titanfall 2, eh bien, la division Ares avait perdu la bataille sur Typhon, et c'était donc la milice qui avait remporté cette bataille, et le général Marder l'avait échappé belle, donc a priori, il pourrait toujours être en vie, et il s'occupe des opérations de la division Ares au travers de la frontière désormais. C'est ce qui avait été écrit sur le site wiki de Titanfall 2. Alors, est-ce qu'il est encore vivant? Peut-être, il serait peut-être âgé maintenant, mais c'est possible. D'ailleurs, dans Titanfall 2, quand vous choisissiez vos factions, eh bien, le général Marder était le commandant de terrain de la division Ares.
Alors c'est vrai qu'en revoyant les images, il est quand même assez vieux, donc je sais pas si ça colle avec Apex, alors peut-être qu'il serait ultra vieux maintenant. Enfin, dans tous les cas, je pense que dans les jours à venir, on va savoir encore plus de choses, il va y avoir de nouveaux teasings, et franchement, l'histoire se développe de plus en plus. Si vous êtes fan de lore, vous allez être servi à mon avis avec cette saison 5, l'arrivée de l'Oba, et tous les changements à venir, et ce qui va se passer dans ce fameux laboratoire où il y avait eu les expériences de Vraith. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, commenter, me soutenir. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Apex Legends.